exercice. Donc, je vais revenir dessus. Je vais en profiter pour faire un résumé du cours à partir d'aide le TPL. Alors, je vais partager mon écran déjà. Alors, le TP, c'était la rénovation d'un hôtel. Voilà. Rénovation d'un hôtel. Donc, c'était les travaux étaient du même type un peu que avec l'immeuble d'El Rabat, d'El MC Rabat. Donc là, on a un hôtel de 2 étages. On doit rénover les chambres. D'accord. Donc, 2 étages, dans chaque chambre, 10 étages. Et les travaux vont se faire en décalage. Donc, je vous ai donné une date de début de projet et comme d'habitude les heures de travail, les jours fériés, etc., etc. Donc ce que je vais prendre aujourd'hui, je vais prendre le fichier de l'année dernière, le planning de l'année dernière, c'est le même exercice que le projet. Très bien. Donc ici, qu'est-ce que je vais vérifier sur ce planning? Je vais aller tout de suite dans modifier les horaires de travail et je vais aller ici dans les exceptions. Et je vais actualiser les dates à 2 de jour férié. D'accord? Donc ça, c'était le 1er mai 2019. Je vais venir et dire, c'est le 1er mai 2020. Voilà. Et je fais OK. Et là, avoir mon projet, il est redevenu à 77 jours. D'accord. Donc là, en faisant 2 petites opérations faciles, déplacer le projet, aller dans modifier les horaires de travail, remettre un jour férié à sa date normale, et j'ai un planning qui est déjà réalisé. OK? Alors, admettons que, fait le planning header, qui est là, j'ai peut-être plusieurs hôtels à faire la même période, ou là, successivement, en décalage. Là, ce n'est pas un hôtel, un immeuble. Je vais venir, par exemple, et récupérer tout ce planning-là. Par exemple, rénovation d'une chambre d'un hôtel. D'accord. Je viens. Je vais copier. Je vais venir là. On est en train de copier. Et je vais venir ici. Je vais dire coller. D'accord. Donc là, regardez ce qui s'est passé. J'ai collé un deuxième planning. Là, je vais écrire réservation des chambres d'un hôtel. Et deux. Voilà. Un et deux, tu as raison. Je vais me prochaine star. Ici, un et deux. D'accord. Alors ici, bien sûr, voilà. Alors, pour vraiment voir, Naïm a pris en considération les deux planning. Regardez ce que je vais faire. Je vais venir, je vais rajouter la colonne WBS qui me donne la numérotation, la décomposition par numéro de tout mon planning. Donc, je fais ça. Insérer une colonne. Je descends tout en bas. Et j'ai WBS. Alors, regardez, elle a le projet Hôtel 1. Donc là, c'est le premier projet, numéroté 1. Tout ce qui en découle, c'est, d'accord, c'est des tâches 1.1.1, 1.1.1.1, les machines 1.2, jusqu'à... Ensuite, quand je tombe le flotter numéro 2, il m'a écrit numéro 2. Et ensuite, il a, fait une décomposition. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des tâches en surutilisation? Parce que ici, j'ai gardé le fichier de la fois dernière et il n'y a uniquement que deux ouvriers, un ouvrier par équipe. Donc ce n'est pas grave, on va voir ça maintenant sur un nouveau fichier. Donc je vais venir ici. Donc
Je vous ai expliqué, et juste pour vous montrer, on peut rajouter autant de planning, d'accord, qu'on veut. Donc, je vais revenir ici. Je vais fermer ça et je vais dire supprimer. D'accord, là, j'ai supprimé, je garde les numérotations. Très bien. Donc, maintenant, admettons, donc je vais reprendre d'abord la procédure depuis le début. Donc, je vais prendre un fichier vierge ici. Donc, première des choses qu'on fait, on va dans le fichier options. Et on va régler les histoires de jours, d'heures, etc. Donc, toujours le format de date, le jour avec l'heure. Affichage, on va mettre les dirhams. Dans l'échéancier, on va rentrer le jour, l'heure à laquelle commence le chantier, donc c'est 8 heures, il finit à 18 heures, j'ai 9 heures de travail, 6 fois 9, 54, donc je vais mettre 54, ici je vais mettre 26. 24 sur le 26, c'est l'enclos 26. Afficher le taux d'allocation en tant que décimal ou le pourcentage, donc je vous ai dit 100% est égal à 1. Si je mets, là-bas, j'ai un ouvrier, si je mets, ou bien il est alloué à 100%, ou là, hein, donc c'est la même chose. Vous choisissez en fait comment vous voulez faire apparaître les informations. Moi, je vais laisser décimal. Nouvelle tâche créée, vous mettez automatiquement. Comme ça, on règle le problème de l'ADAC. Et ici, type de tâche par défaut, on va mettre durée fixe. D'accord? Durée fixe. Et on fait OK. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais dans modifier les horaires. Et je vais créer tout de suite le calendrier du projet. Donc, hôtel. Ensuite, je vais dans semaine de travail, détail. Donc, je sélectionne tous les jours du jusqu'au samedi. Et je vais définir les nouveaux horaires de travail. Donc là, 8 heures. J'ai mis 12h30 et 13h30 à 18h. Je fais OK. Je reviens dans les exceptions. Donc, je vous ai dit les exceptions, c'est peut-être, ça peut être des jours fériés. Ça peut être des jours où le mois de Ramadan, où les horaires ne sont pas les mêmes. Je peux venir échanger les horaires du mois de Ramadan. Donc, là, je clique ici, je vais mettre du travail, et là je vais mettre donc le 1er mai voilà et je suis OK. Ensuite je vais dans information sur le projet, tout de suite je mets mon nouveau calendrier et là je change l'heure qui était par défaut 9h, je mets 8h. Et donc, si les prévisions sont faites à partir du début du projet, donc je garde ça comme ça. Sinon, si c'est à partir de la fin, je mets date de fin de projet ici. Comme ici. Quand je fais ça, il me donne la date de la fin de mon projet. Donc là, je viens, je laisse des... Et je fais OK. Très bien. Donc là, j'ai paramétré toutes les options de calendrier, de jours, de date, d'heure, etc. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois rentrer les noms des tâches. Donc les noms des tâches, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous allez les récupérer de plusieurs façons, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai déjà un planning sous la main. Donc je viens ici et je vais copier les tâches. Copier. Et on va venir ici et coller. Alors là, j'ai déjà pris les tâches avec les tâches récapitulatives et les tâches subordonnées. D'accord ? Donc ça, c'est des tâches récapitulatives. Une tâche récapitulative principale avec une tâche, si vous voulez, subordonnée, ou des petites tâches subordonnées à l'intérieur. Donc tout ça, tout ce qui est à l'intérieur
une tâche comme ça s'appelle des tâches subordonnées. Elles sont subordonnées à la phase 1. D'accord? Alors, je vais juste faire un petit exemple ici, rapide. Je vais enlever les pour. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un parmi vous qui ne sait pas comment faire ça. Donc, il faut sélectionner les tâches qu'on veut intégrer dans une tâche récapitulative et on va avec la flèche droite et on clique. D'accord? Si vous avez fait une erreur, par exemple, vous ne voulez plus qu'elle retire un mot qu'elle soit dans la phase 1, vous cliquez dessus, flèche gauche, elle va sortir. D'accord? Vous voulez la réintégrer, flèche droite. Donc ça, on l'a vu des dizaines de fois, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'il me reste, bien sûr, donc j'ai créé ici un niveau, une tâche récapitulative troisième, travaux deuxième étage, une autre tâche, travaux de premier étage. Et dans chaque tâche, il y a trois phases. C'est des phases identiques qu'on retrouve dans les deux étages. D'accord? Donc là, il me reste à rentrer les durées, il y a les tâches. Donc je vais aller ici, récupérer les durées. Alors regardez ce qui va se passer. Ici, je récupère des durées. Là, il indique que tout ça est en mode automatique. D'accord? Ici, je vais récupérer des durées. Je vais copier. D'accord? Aide les durées. Pourquoi j'ai aide les durées comme ça, 77 jours, 49 jours, etc. Parce que j'ai rentré les liaisons. Exactement. Très bien. Donc, je vais revenir ici. Quand je vais les rentrer, coller, je coule l'eau, en mode où là il y a des tâches manuelles, d'accord, tac, qui respectent les durées, comme si moi-même je les avais rentrées. Donc là, ce que je vais faire, je viens ici, et je reviens, je mets planification automatique. Amado, où la coule chez 21 jours, c'est-à-dire à l'état sans aucune liaison. Donc là, je viens, je fais calculer, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À trouver les prédécesseurs, faire les liaisons. Alors, pour faire les liaisons, d'abord, des fois, vous n'êtes pas obligé de faire des liaisons entre les tâches. Donc, quand est-ce qu'on fait des liaisons entre les tâches? C'est que quand une tâche dépend de l'autre, de celle qui la précède. D'accord? Donc, celle qui la précède ou celle qui la succède. Donc, il faut qu'il y ait une liaison. Je ne peux pas commencer à faire les enduits tant que les murs ne sont pas construits. Donc là, je peux faire une liaison. Par contre, j'ai des tâches, des fois, qui n'ont pas besoin d'être liées. Elle a enlevé le mobilier et enlevé le sanitaire. D'accord? Je vous dis par exemple. Par exemple, elle a dit, je peux venir ici. Au lieu de faire une liaison comme ça. D'accord? Faire une liaison FD. Je vais venir et dire ici. Je vais cliquer sur la date de début. Et je vais dire, cette tâche, elle va commencer, par exemple, le 13 ou là le 12 par exemple. D'accord, AIL s'est décalé, je n'ai pas la liaison, je n'ai pas de liaison. Par contre, quand j'ai fait ça, NAIA, il me met à obtenir un petit affichage. NAIA, il y a la contrainte. Donc on va voir la contrainte chenouillée, regarde. Donc là, je n'ai pas fait de liaison FD, je déplace le début de cette tâche, il me dit ici, cette tâche doit débuter au plus tôt le. Pourquoi au plus tôt le? Parce que j'ai touché ici dans la colonne des débuts. Il était là, le micro dialogue, je dois appeler un micro, ça me dérange. Ok. Alors, je reviens ici. Par exemple, ici, je vais déplacer la date de fin. Déposer, décaper carrelage, d'accord? Je viens ici, je vais dire, je vais déplacer de la date de fin. Pour que ce soit le vendredi 19. Et d'ailleurs, je vais lui dire, elle va finir le samedi. D'accord? Et elle s'est décalée. Je n'ai pas de liaison. Et ici, j'ai une contrainte. Fin au plus tôt le. Quand je déplace la colonne des fins
la date, il me dit, me donne une contrainte, fin au plus tôt le. Quand c'est au début, début au plus tôt le. Ça, c'est ce qu'on appelle des contraintes moyennement flexibles. Il y a trois types de contraintes. Les contraintes les plus flexibles, y être dès que possible et finir le plus tard possible. Alors, à l'origine, au départ, c'est toujours des tâches. Quand je vais dans avancer, vous allez trouver dès que possible. D'accord ? Alors, là, je vais répondre aux questions de l'exercice et on va voir au fur et à mesure ce qui va se passer. Donc là, je vous ai montré comment déplacer des tâches sans qu'il y ait de liaison. D'abord, regardez, là, je vais faire ça. Je vais lier les tâches. D'accord ? Et je vais venir ici, format. Je vais dire afficher les tâches critiques. Regardez. Alors, les tâches critiques, c'est les tâches qui, si elles prennent du retard, elles vont me retarder toute ma fin de projet, ma date de fin de mon projet. Et chaque tâche qui va prendre du retard, le retard accumulé dans cette tâche va se rajouter à la tâche suivante. Vous avez vu ? Elles sont critiques parce qu'elles sont liées. Celles-là, que j'ai, dont j'ai rentré des dates de début et de fin sans aucune liaison, elles ne sont pas critiques. Très bien. Donc là, maintenant, je vais effacer tout ça. D'accord ? Là, je coule le Lemels. C'est pour vous expliquer. Voilà, donc je suis revenu à la case de départ. Maintenant, il faut que je rentre les prédécesseurs. Donc, les liaisons. Comment lier des tâches ? Donc, je vous ai montré d'abord deux cas. Maintenant, quelles sont les liaisons ? Je peux venir, admettons, bon, ça, je viens de le faire, je le répète. Voilà, ça, c'est lié, colonne. Fin, début, fin, début, fin, début. Je peux venir cliquer sur cette tâche, d'accord ? Ou je vais venir choisir une autre tâche n'importe comment, mais j'appuie sur la touche contrôle. Là, je fais n'importe quoi, même si elles ne sont pas logiques, je fais ça, je fais lier, il va me lier à des quatre tâches. D'accord ? Elle dit, elle commence, celle-là, elle suit, celle-là, elle va suivre celle-là, ainsi de suite. Donc, si vous avez gardé le doigt appuyé sur la touche contrôle, il va vous lier les tâches que vous avez sélectionnées. L'autre option, c'est de venir ici, de cliquer, et là, vous avez toutes les tâches qui sont rentrées dans votre tableur compte. Elles sont affichées, vous n'avez qu'à choisir les tâches à lier à celle-ci. En général, celle qu'on a choisie, sur laquelle on a cliqué, elle est toujours un peu ici en gris, d'accord ? Donc, si je viens, je fais celle-là, comme ça, et voilà. Donc là, elle est liée. Elle dit à la tâche 9. Si je viens ici, elle y a dit une liaison FD. L'autre possibilité, c'est de venir ici. Je clique sur la tâche. Je vais dans prédécesseur. Je fais ça et ça. Et je choisis à Outani la tâche que je veux lier. Et je fais OK. D'accord ? Autre méthode, on va dans affichage, détails. Donc, je vais mon tableur ici qui est divisé en deux parties. Je prends d'abord ma tâche ID, pose de parquet. Je clique ici. Donc, la tâche que je veux lier, c'est le pose de parquet. Je vais trouver son prédécesseur. C'est, je prends n'importe quoi, normalement, pose de parquet, phase 2, retirer moquette. Je ne peux pas poser le parquet si la moquette n'est pas retirée. Nom de la ressource que je veux employer pour cette tâche. Je viens ici. Ah, ici, je n'ai pas encore rentré les ressources. D'accord ? Donc, si je reprends le fichier ADA pour faire la même démonstration, je clique ici, par exemple. Là, enlever AWADA plan B. J'avais déjà rentré les... D'accord ? Les ressources. Installation accessoire. Par exemple, ici. Voilà, j'ai juste un exemple, pose parquet, et là, je peux venir et je choisis les ressources parmi celles que j'ai rentrées dans le tableau des ressources. Je fais n'importe quoi. D'accord, j'ai mis plombier, pose parquet, normalement, c'est carreleur, fenwall carreleur, poseur parquet. Voilà, et je fais OK. Et là, il m'inscrit le... Très bien, donc là, je vais effacer la bêtise que j'ai faite, voilà. Donc là, je reviens ici.
Donc, Adam a les différentes façons pour afficher, créer des liaisons. D'accord? Donc là, je vais encore revenir en arrière pour effacer tout ce que j'ai fait là. Voilà. Et bien. Alors ici, je vais aller récupérer Hado, les prédécesseurs ici que j'ai noté ici. Phase 2. Pause mobilier, installation. J'ai oublié. Je viens d'avoir. Installation des accessoires. Bon, là, normalement, quels les accessoires? Dans un hôtel, c'est quoi les accessoires? Je vous ai dit, c'est bon, le porte-serviette, le porte-savon dans les salles de bain, le porte-toilette, papier-toilette. Dans les chambres, ça peut être la télévision, le petit frigo, etc. Bon, on va mettre manœuvre ici. Ça. D'accord. On a atteint des ressources. En surutilisation, on va voir tout à l'heure. Donc, je vais venir ici. Je clique ici sur prédécesseur et je fais copier. Je vais revenir dans mon fichier ici et je vais faire coller. Donc là, il m'a collé, il m'a fait les liaisons. D'accord? Alors, aide les liaisons là-dedans. Je suis allé un peu trop vite parce que là, je voulais vous montrer ici le TP. Ici, voilà ce que je vous ai donné. Ici, je vous ai mis, en fait, un petit texte qui résume la formule que vous devez rentrer dans Mesh Project. Quand je dis un jour avant la fin de la tâche 4, c'est 4FD-1. Dès que vous dites avant, là, que vous pensez avant dans votre tête, c'est moins. On va faire cette tâche, enlever les sanitaires, elle va commencer un jour avant la fin de la tâche 4. D'accord? Elle dit, elle va commencer un jour avant la fin de la tâche 5. C'est 5FD-1. Au début de la tâche 6DD. D'accord. Voilà, 3 jours après la fin de la tâche 6. Après, c'est plus. Donc, 6FD plus 3. 6 plus 3. 6FD plus 3. Voilà. Alors, septembre, le QCM, je vous donnerai. Je vais poser des petites questions. Comme 6FD plus 3, 3 jours après la tâche 4. Voilà, elle va 4 jours avant la fin de la tâche 9. Est-ce que c'est égal à 4FD-9 ou là 4 jours vous voyez, je vais sortir 3 réponses. Il y aura une réponse juste et 2 réponses fausses. Donc à vous de trouver la réponse juste. De toute façon, c'est pas compliqué. Donc je reviens ici dans mon planning et je fais coller. Donc là, on m'a donné les liaisons. Je les ai rentrés. D'accord. Donc, je fais ça pour gagner du temps. Donc, on a rentré les liaisons en Mado. Alors, une fois qu'on a rentré les prédécesseurs, donc là, toute cette partie-là qu'on a vue ici, tout ça, on l'a fait en classe, juste avant le confinement. Toute cette partie-là. Même les ressources, on a vu comment rentrer les ressources. Alors, d'abord, on va faire un peu, pour revenir sur la partie du cours, et d'ailleurs, on va venir ici. C'est le cours numéro 1 que je vous ai donné, rétroaction numéro 1. Donc, je vous disais, voilà comment aller créer un nouveau calendrier, rajouter les dates de jours fériés, les affichages, les dirhams, M. Koulo, l'échéancier. Alors, pour l'instant, nous sommes créés, d'accord, voilà. Très bien. Information sur le projet, M. Koulo, je suis là, alors, voilà, ça, Hadi. Comment, sur le diagramme de Gantt ici, j'ai encore le samedi qui apparaît comme un jour férié, un jour non ouvré, alors que les gens travaillent. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais un clic droit, je vais sur période chômée, et je viens et je mets mon calendrier que j'ai créé pour ce projet. Où le samedi est un jour travaillé, et je fais OK. Quand je fais ça, le samedi disparaît ici sur le planning. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Rétroaction, donc j'avais ça. Insérer les tâches, donc Hichikulo. Voilà, comment créer les tâches subordonnées, les éléments. Alors, pourcentage achevé. Alors, je vais suivre quand même la logique de créer les tâches périodiques. Donc tout ça, voilà, ajouter un jalon.
ça on va le voir maintenant. Alors, dans l'exercice que je vous ai donné, il y a des jalons. Je ne vois le jalon. Il n'influence pas sur le projet. Voilà. Elle va dire livraison numéro 2. Alors, je vais vous dire quelle est la durée d'un jalon. Est-ce que c'est 0 jours? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est 3 jours et demi? Vous avez le choix entre les trois réponses. La réponse juste, c'est 0 jours. D'accord? Donc, ici, l'exercice, je vous avais dit, rentrer en ailleurs. Alors, c'est ici. Insérer un jalon de livraison du deuxième étage avec une contrainte doit finir le 23 mai. Le 23 mai. Donc, jalon plus contrainte. Donc, ah ouais, le jalon, il est 0. D'accord. Sauf que la date du 23 mai, je ne l'ai pas encore ici. Ici, j'ai le 11 juin. D'accord. Donc, je vais venir. Double-clic sur la tâche. Et je viens dans avancer et je vais dire ici, échéance c'est le 23 mai. Bien. La contrainte doit finir le 23 mai. Doit finir le 23 mai. Et je fais OK. Continuer. D'accord. Donc, et là, si je fais ça, tâche, atteindre la tâche, Awada. Ici, j'ai mon indicateur, l'échéance de la flèche verte, sur la date du 23 mai. Alors, on va faire autre chose d'abord. Donc, ça, c'est le jalon. Donc, on a vu le jalon où j'ai rentré une échéance plus la contrainte. Je vais juste ici revenir faire le planning. Je vais aller dans quatrillage pour afficher des lignes de date et de début de projet et de fin de projet. Voilà, date de fin. Et je fais OK. Donc là, si je fais ça, alors normalement, il n'y a rien. Alors regardez ce qui s'est passé, Naya. Là, j'ai mis les 23 jours. 23 mai, alors je lui ai dit le 2 mars. Naya, il y a un petit bug qui s'est passé. À quel niveau il s'est passé le bug? Liaison, je crois, parce que liaison. Les liaisons, si c'est un temps, je vais revenir, je vais enlever de la contrainte que j'ai mis là. Voilà. Là, je suis à 77 jours. Ah, Anaïa, regardez ce qui s'est passé. Il m'a changé la date du début de mon projet ici. D'accord. Quand j'ai collé les prédécesseurs, donc je vais revenir ici. Ah non, il m'a rien collé. Anaïa, si tu m'as mis le début, il y a le projet, j'ai oublié de rentrer la date du début. D'accord. Quand j'ai fait tout à l'heure projet, j'ai fait une erreur. Quand j'ai fait information, j'ai changé la date ici, mais je n'ai pas changé la date ici, date de début. C'est comme le 2 mars. Donc je vais venir et faire le 2 mars. OK. Donc 2 mars. Très bien, calculer le projet. Donc jusque-là, tout va bien. Donc elle dit que l'échéance, livraison du deuxième étage. Donc là, on avait dit le 23 mai, je crois, le 23 mai, oui. Donc je viens ici, livraison, Anaïa, le 23 mai. Doit finir le, voilà. On est échéance, c'est-à-dire un peu le 23 mai. Normalement, bon, je mets 23 mai. Voilà, à 77 jours. Tout à l'heure, comme je n'avais pas déplacé le planning de Kshesh. Donc voilà, livraison avec la contrainte. Très bien. Calculé. Donc là, après, j'avais aussi une autre question ici qui était
insérer une échéance de livraison du chantier pour le 30 mai à 18h, avec une contrainte le 30 mai. Donc, c'est la même chose. Je reviens ici. Voilà. Avancer. Donc, 30 mai. Doit finir le. On dit échéance est hier, 30 mai. Alors, ça, c'est surtout 30 mai. Voilà, donc là, ça n'a pas bougé. Et là, si je viens, maintenant, je vais rajouter mes lignes de tout à l'heure, date de début du projet. Voilà. OK. Alors, la ligne verte, c'est la date du jour d'aujourd'hui. On ne fait pas attention pour l'instant pour l'exercice. Donc voilà notre planning. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, regarder les lignes de début et de fin. Enlever le samedi comme jour férié. Vraiment travailler. Ici, alors, autre chose, c'est de rajouter des remarques. Très important. Il y a des tâches sur lesquelles vous allez peut-être rajouter des remarques. Je ne sais pas. Pose du parquet. Je vais venir ici. Je vais écrire ici, vérifier couleur, d'accord? Là, vérifier couleur, et stop. Donner une information à la personne avec qui je vais partager le planning. Donc ici, j'ai une petite, voilà, qui sort ici. Si je me pose dessus, il m'indique ce qui est écrit, d'accord? Je vais venir ici, je vais rajouter donc les lignes de WBS, insérer une colonne. Voilà. Donc là, si je vais au cours pour voir qu'est-ce qu'on a vu. Donc là, il y a les lignes. Ici, il y avait ajouté un jalon. Donc on a vu le jalon. Le jalon est toujours égal à 0 jour. D'accord. Alors bien sûr, qu'il y a une touche NAIA, si vous cliquez ici. Si vous venez là, je regarde, je vais venir ici, je clique, il y a tâche, jalon. D'accord? On voit que s'il y a un nouveau jalon, 0 jour. D'accord? Donc, c'est moi, vous pouvez rentrer le nom d'un événement et vous mettez 0 jour et ça devient un jalon. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les tâches périodiques sûrement, jalon, identification de la barre. Alors, voilà, Chipolo, date du jour, date du projet. Donc ça, c'est la header, c'est bon. Alors, les différentes façons de lier les tâches, on les a vues. Donc voilà, je vous ai mis le décalage, l'histoire des détails quand on clique et on a une partie du panneau qui s'affiche en bas. D'accord? Les ressources. Donc, on va voir les ressources là-bas. Voilà. Alors, par contre, ce que je vais vous montrer, il y a les tâches périodiques. Alors, j'avais dit tâches périodiques, c'est les réunions de chantier qui arrivent périodiquement toutes les semaines, ou bien une visite de chantier par le maître d'ouvrage tous les mois, ou là, la visite de la banque qui va venir voir l'état d'avancement du projet pour vous débloquer les fonds. Donc, vous cliquez quelque part dans votre planning. En général, moi, je le fais à la fin. Et donc, vous allez dans tâches, ici, tâches périodiques. On va créer une tâche périodique. Alors, on va dire réunion de chantier. Voilà. Je vais choisir le jour de la réunion. Alors, hebdomadaire, est-ce que c'est une réunion quotidienne ? Ou hebdomadaire ou la mensuelle, etc. Donc, je choisis. Ensuite, il me dit, est-ce que tu veux que je choisisse depuis le début du projet jusqu'à la fin, tous les mercredis, je les affiche, ou bien je lui rentre une date précise, d'accord, ou bien un nombre précis de semaines. Et il ne faut pas oublier de rentrer le calendrier aussi, parce que le calendrier, quand vous avez rentré des jours fériés ou des semaines,
il va prendre en compte si jamais un mercredi tombe un jour férié, il ne va pas tenir compte de ce mercredi. Donc, je vais faire hôtel et je fais OK. Et donc là, il m'a sorti toutes mes dates de réunion de chantier. D'ailleurs, vous pouvez avoir juste un petit planning ouvert que l'eau, vous faites que les réunions de chantier, des différents projets. Donc ça, je ferme. Voilà. Donc ça, c'était pour les tâches périodiques. Maintenant, on va arriver aux ressources. Alors, les ressources. Donc pour, alors, là, je vous ai dit ici, j'ai un raccourci en bas à gauche, en bas à droite. D'accord ? Ici. Donc, je vais rentrer les ressources. Donc, je vais aller récupérer mes ressources que j'ai dans mon autre fichier, qui sont là. Voilà. Là, il y a, je sais pas pourquoi, donc c'est pas grave, je vais faire ça. Donc, je vais copier mes ressources. Si c'est les mêmes pour ce projet, si s'il y en a d'autres en plus, je vais les rajouter ou les enlever quelques ressources. Donc, je repars sur mon autre fichier. Ici, nom de la ressource. Et je fais coller. Donc, ici. Voilà. Alors, quelles sont les informations que j'ai ici, à ce niveau-là? Donc, j'ai les informations, j'ai les noms des ressources. En fait, ça, c'est des ressources génériques. C'est des ressources par métier, si vous voulez, ou là, par spécialité. D'accord? Donc, quand vous avez des ressources comme ça, il faut indiquer, c'est mieux de les indiquer comme étant des ressources génériques pour MS Project. Donc, vous venez ici, vous cliquez et vous cliquez. Faites OK et vous avez ici l'indication qui apparaît ici. Alors, bien sûr, je peux créer aussi des nominatifs, donc un mine, voilà. Et je vais dire, il appartient aux électriciens, c'est un électricien. Voilà. Ensuite, je note la différence ici, j'ai type, là j'ai travail. Donc j'ai expliqué qu'il y avait trois types de ressources. Des ressources de travail, qui se divisent en deux parties, les ressources humaines, les ressources matérielles. Donc tous les moyens matériels qui sont utilisés, pas les matériaux, mais le matériel. Un camion, une grue, une brouette, une pelle, un ordinateur, du couloir, c'est du matériel qui va fournir un travail aussi. D'accord ? Après, on a le consommable, tout ce qui est consommé, l'eau, l'électricité, le papier, la cartouche d'encre, l'essence, etc. Après, on a les coûts. Les coûts, il y a une ressource. Ça peut être un coût fixe, d'accord ? Je ne vais pas utiliser le terme coût fixe pour ne pas vous perturber avec les coûts fixes qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ça peut être le coût lié à là-bas, je vais dire ici, j'ai le topographe. J'ai mis topographe qui va... Ah, d'ailleurs, ça m'a rappelé qu'il fallait que je rappelle un topographe et j'ai oublié ça. D'accord, topographe, il ne faut pas que j'oublie. Attendez, c'est 3. Alors, topographe, lui, il vient une fois sur le chantier pour vérifier les bornes exactes, etc. Et donc, je vais le payer, ou bien il va avoir un coût, d'accord, je vais rentrer plus tard, ou là, je peux lui faire comme ça, travail, mais je viens ici, je fais coût d'utilisation. Chaque fois qu'il vient, je lui donne 1000 lire. D'accord, déplacement d'ILO, la mission d'ILO de vérifier les bornes. D'accord. Oui, monsieur. Allô, il y a la différence entre... Alors, j'aurais pu mettre... Quand je mets coût, d'abord, je vais mettre ici, je ne sais pas, assurance. Assurance. Chantier. Donc, un GNAR sur un chantier, mais là, elle a un coût. D'accord. Alors, le coût à la tête, ça va, je peux le rentrer dans, parmi les autres coûts, quand je vais rentrer sur un chantier. Donc, on verra ça tout à l'heure. Je fais ça, ça, ça. OK. Donc là, j'ai rentré la manœuvre. Maintenant, ce qui me reste, c'est de rentrer les capacités maximum.
combien j'ai de manœuvres, de plombier, de carreleur, etc. Donc, je viens et je donne un chiffre, je ne sais pas, arbitraire. D'accord. Alors, je peux faire comme ça ou là, je vais venir ici. Je laisse ça comme ça. Je vais faire une autre méthode et je vais rentrer mes ressources. Je vais récupérer les ressources de l'autre projet. Ici, nom des ressources. Copier. Et coller. Alors, vous voyez, en mode couleur, on dit en surutilisation. Maintenant, je vais retourner ici. Donc, derrière, je vois les ressources qui sont en surutilisation. Et j'ai laissé 1, 1, 1 au début. C'est une autre méthode. Au lieu de rentrer 2, 3, 4 à chaque fois, et je ne sais pas si je vais l'utiliser. Maintenant, je vais commencer à faire un choix. Je vais rajouter ici 2. Pour l'instant, ça ne marche pas. Avec 2, je suis toujours en surutilisation. À moins de 3. Donc, là, ce n'est 3. Carreleur. Alors, bien sûr, je ne suis pas obligé à chaque fois de rajouter. Je peux déplacer les tâches. D'ailleurs, attention. Oui, ici. Voilà, donc là, je fais ça. Mais sinon, je viens ici et je déplace mes tâches. Si c'est vraiment un projet où la date de fin n'est pas très importante, d'accord, je peux, même si elle est importante, je peux m'arranger ou bien pour fractionner les tâches. D'accord, fractionner, puisque j'en ai parlé, je vais venir juste faire un exemple. D'ailleurs, d'abord, LG, tâche. D'abord, l'outil de fractionnement qui est là. Je clique dessus. Ma souris change d'aspect. Je viens ici. Je clique. Bien sûr, le chat. Voilà. Je viens. Je clique. Oh. Je clique. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me chercher sur l'autre fichier, on chauffe des fois des bugs sur quand vous connaissez bien MS Project et que vous savez que vous faites une action et qui doit arriver si elle ne se passe pas. Voilà. Si j'ai fait un fractionnement. D'accord? Voilà. Je clique, je tire, je garde mon doigt appuyé sur la souris et je pousse. Quand je pousse, j'ai les dates qui défilent. Voilà. Alors, pourquoi l'autre fichier, il n'a pas voulu le faire? Parce que je me suis mal pris. Je viens, je clique, je garde mon doigt à droite. OK. Donc, ça, c'est fractionné. Une fois que j'ai fractionné comme ça, je peux... L'ouvrier, il travaille ici, il va dans une tâche au-dessous, il remonte ici. Donc, voilà. Donc, je reviens dans mes ressources. Donc là, j'ai rentré les ressources. Donc, générique, vous avez compris comment on fait pour rentrer générique. Ensuite, je vais donner, par exemple, ici, un taux horaire. Là, je vais dire les coûts. D'abord, je vais placer déjà mes ressources. Donc, je reviens ici. Voilà. Ben non, j'ai placé mes ressources. Alors. En fait, je les ai placés, je les ai copiés. Maintenant, je vous ai montré tout à l'heure une autre façon de procéder. On a par exemple, le travaux au premier étage, phase 1. Admettons, à la phase 1, elle est faite uniquement par des manœuvres. Donc, je sélectionne toutes les tâches. Je clique bouton droit. Je vais affecter les ressources. Je vais dire manœuvre. Et je vais rentrer le nombre de manœuvres. Si je ne rentre rien, je vais affecter, fermer. Il va me rentrer un manœuvre par tâche. Un par tâche. D'accord? Maintenant, si je fais ça, affecter, et je viens ici, regardez, je fais ça, je ne peux pas affecter. J'ai déjà affecté au début. Donc, pour affecter, il faut venir et d'un coup rentrer les affectations, le nombre d'unités. Manœuvre, unité, 2, affecté, fermé, à moins de 2.
Donc le nombre s'inscrit dans une petite parenthèse. Donc ça, c'est quand vous voulez, vous n'avez pas besoin à chaque fois de cliquer sur la tâche et de rentrer les manœuvres. Donc là, je vais effacer ça. Et je vais faire réapparaître l'OOCDL tout à l'heure. Voilà. OK. Donc là, pour rentrer les ressources. Alors, vous avez plusieurs façons de rentrer les ressources aussi. Vous pouvez venir, cliquer ici, vous avez ressources. Et là, vous avez manœuvre. Je peux venir ici, cliquer et rajouter un autre manœuvre. Voilà. D'accord. Donc, ici, regardez ce qui s'est passé. La différence, regardez, ça aussi, c'est un bon exemple. Là, je suis venu ici, nom de la ressource, je clique, j'ai mis Amine, je vais mettre électricien. OK. Donc, chez Amine, j'ai électricien. Alors que normalement, si vous venez vous cliquer ici, je peux rajouter l'électricien et le manœuvre. Et là, ça me donne la possibilité, quand je clique ici, de rajouter autant de ressources que je veux. Ici, quand je fais ça, d'accord. Bon, c'est vrai que j'aurais dû cliquer en bas. Là, je suis bête. D'accord. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous pouvez rajouter autant de ressources que vous voulez. Oubliez ce que je viens de dire. Donc là, c'est... OK. Donc, on a la dénhaïd de Hadik. On va venir manœuvre. Voilà. Manœuvre. Très bien. Qu'est-ce que je... Ah oui, une chose avant qu'on passe au coup. Afficher le pourcentage. Donc, vous avez, pour afficher le pourcentage d'avancement des travaux, vous pouvez rajouter une colonne ici. Insérer une colonne. Pourcentage achevé. Et là, j'ai le pourcentage... les pourcentages d'avancement. Comme je peux rajouter ici sur le planning. Alors là, j'ai à droite ici les noms des ressources. Par exemple, si je veux enlever les noms des ressources, je veux plus qu'ils soient affichés. Je viens ici. Je clique sur toutes mes tâches. Je vais dans format, format barre, texte de la barre. Et normalement, ils sont à droite. Je vais venir ici, normalement, car ça me dit, il y a un nom des ressources. Je vais appuyer sur supprimer ici. Je fais OK. Il les a enlevés. D'accord. Maintenant, je vais rajouter le pourcentage. Je vais venir ici, barre, à droite, et pourcentage achevé. Voilà. OK. Donc ça... C'est pour afficher les pourcentages qui vont me servir pour le suivi du projet. Alors, autre détail, on a vu tout ça, c'est la chronologie, ici. La chronologie, en fait, c'est un résumé de toute ma, de tout mon planning. Donc, je peux l'imprimer, elle aussi. Comme là, elle me donne le début du projet. La date, le 2/03 à 8h. La fin, le 30/05 à 18h. Et ici, il m'affiche le nombre de semaines. Donc là, il m'indique que j'ai 13 semaines. D'accord. Donc ici, je peux, dans cette chronologie, rajouter les informations que je veux. Donc la fois dernière, je vous ai montré, je peux venir ici, je clique. Je fais insérer une tâche, tâche existante. Et je choisis, par exemple, les tâches que je veux afficher. Naya Indi, travaux du deuxième étage, elle dit c'est une tâche récapitulative, ils vont sortir un dénivelé ici à ce niveau-là. Si je viens ici, je lui dis je veux les autres de la phase ID. Voilà. OK. Il va me les sortir. Voilà, en bas, elles sont en décalage. D'accord. Alors, elle va regarder cette tâche ici. Si je viens ici. Je dis, elle est finie à 50%. Il va m'indiquer sur la chronologie une partie en peu bleu foncé qui représente 50% et l'autre partie en clair qui reste à réaliser. Donc, j'efface ça. Voilà. Donc, là, c'est la chronologie. Donc, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Donc, la chronologie, avant d'aller vers les coûts. Chronologie, déjà... Il y a quelque chose que
Donc on doit, ah oui, alors, on a 9 le format, on a les tâches critiques. Je reviens à affichage. Vous voulez afficher la chronologie, il faut que la case soit cochée dans affichage. Si je la décoche, la chronologie n'apparaît plus sur votre tableur. D'accord? Donc, c'est pas, si vous voulez gagner de la place, c'est que ce n'est pas essentiel pour vous. Maintenant, si vous voulez avoir un rapide coup d'œil sur le planning, vous cliquez dessus. Alors, regardez maintenant ce qui s'est passé. La barre AD, elle a changé de forme. Parce que je suis dans la chronologie. Si je viens ici, je clique. Elle a repris la forme d'ILA. L'affichage qui concerne cette partie d'ILA le tableur. Si je clique ici, d'accord, voilà, regardez, il y a un autre affichage sur lequel je peux intervenir. Bon, là-bas, voilà, donc je fais ça. OK. Donc là, je suis revenu sur affichage, je vais enlever la chronologie. Ensuite, côté communautaire format, on dit les tâches critiques. Comment faire apparaître les tâches critiques? Je viens ici, je clique. Voilà. Donc, elles apparaissent tout en rouge ici. C'est les tâches critiques du projet. Donc voilà, à toutes les tâches critiques. Donc, je reviens sur juste le cours pour voir. Voilà. Donc les ressources, comment rentrer les ressources, donc les prix en chauffeuron. Maçon, les ressources génériques, les unités. D'accord. Voilà, nom de ressources. Les ressources. Très bien. Alors Naya, je reviens ici. Donc les ressources, vous avez compris. Ou bien vous les rentrez comme ça. OK. Ou bien vous cliquez ici sur une tâche. D'accord. Vous allez dans ressources. Et donc vous rentrez le nom de la ressource. Au fur et à mesure, vous rajoutez la ressource que vous voulez sur cette tâche. Et les unités. Manœuvre, est-ce que un affaire ressources, j'en ai par exemple rentré, j'ai 5 manœuvres à ma disposition. Pour cette tâche, enlever le mobilier, est-ce que j'en utilise 2 ou 1 ou 5? D'accord. Ensuite, quand on va rentrer le coût va s'afficher ici. Donc voilà. C'est ça. Alors, pour rentrer, donc les ressources, vous avez la possibilité, celle-là, ou bien vous sélectionnez. Comme tout à l'heure, si vous avez la même ressource sur 4 ou 5 tâches identiques, vous les sélectionnez toutes et vous cliquez dessus. Donc ça, c'est pour cette histoire. Donc, je reviens rapidement sur le cours. Alors, comment dissocier les liaisons, modifier les types de liaisons. Bon, ça, c'est des trucs. Ajouter une colonne à dictionnaire. Alors, les contraintes, générales. Notion d'échéance aussi, on l'a vu. Donc là, vous avez le cours avec les images. Donc normalement, demain, fractionner une tâche, voilà, donc afficher les tâches critiques. Donc tout ça, vous l'avez ici. Donc là, vous n'avez pas d'excuses, même ceux qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas MS Project. Si vous gardez le cours et que vous avez demain un planning à faire, avec les 3 petits documents, normalement, vous devriez vous en sortir. Donc là, je n'en vais pas aller. À force de réfléchir à plusieurs trucs en même temps, j'ai vu une notion de contrainte. Vous levez, ah oui, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc des fois, directement, on veut venir et... Alors, on a des tâches ici, vous avez des petits trucs. Post-carrelage, ou la tâche Hadi, je vais la voir ici sur mon planning. Je viens, je fais atteindre la tâche. Donc, il va me la sortir, il va faire un petit zoom dessus. D'accord. Donc, il y avait ça. Maintenant, si je veux dissocier une tâche, je ne veux plus créer le lien. Bon. Alors, à des opérations coulantes, vous avez vu que des fois, il y a 3 ou 4 façons de procéder pour avoir le même résultat. Donc, en général, moi, ce que je choisis, On peut sélectionner et faire dissocier. Dissocier. Sinon, moi, je choisis en général la méthode la plus rapide. Donc, je peux venir ici, je viens et j'efface. Hadi. Je viens et j'efface. Là, je l'ai effacé, mais j'ai dit le lien coulo. D'accord. Sinon, vous pouvez venir cliquer sur la flèche Hadi. Vous avez le petit affichage.
Vous pouvez changer ici la liaison, le type de liaison, fin, début, 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 etc. avec le décalage, ou vous supprimez. Donc tout ça, ça dépend. Est-ce que vous travaillez sur le clavier? Là, vous ne voulez pas utiliser le clavier, donc vous pouvez venir faire supprimer. Ou là, ici, changer le fin et début, ou là, changer le décalage. D'accord? Donc là, si je fais supprimer, il va enlever le truc. Donc là, c'est compris. Bon, on va pas perdre de temps sur ça, il nous reste une petite demi-heure. Donc on va aller sur les coûts. Alors les coûts, donc ici on va aller dans le tableau des ressources, je vais rentrer, alors je vous ai dit, ou bien, alors n'oubliez pas, chaque fois je vous le répète, ou vous travaillez en bureau d'études, ou là vous êtes pour travailler pour une entreprise. Donc les ressources, si vous bossez en bureau d'études, vous n'avez pas besoin de rentrer les ressources, ni les coûts, ni etc. Par contre, si au sein de votre bureau d'études, vous avez plusieurs salariés, vous allez faire un planning, dès le dispatch, dès l'homme sur les chantiers, qui c'est qui va aller cette semaine sur tel chantier, sur tel, pour avoir une visibilité, il y a les ingénieurs qui sont sur tel chantier, quand est-ce que ce chantier va finir, ou si je vais les envoyer après. Donc, vous allez rentrer les plannings, d'accord? Et vous allez rentrer aussi les plannings des les ouvriers et qu'est-ce que je voulais dire? Si vous êtes en bureau d'études, ben voilà, le planning d'Yelhom, les taux horaires, les horaires d'Yelhom, le dispatch. Maintenant, pour chaque personne, vous pouvez créer aussi un calendrier. Hadaba Ami, c'est-à-dire des vacances d'Yelhom, le 15 juillet, le 30 juillet. Donc, vous allez créer un calendrier d'Yelhom, Ami, d'accord, pour lui donner, alors, c'est-à-dire, on va aller dans projet, chaque ressource, pour le calendrier AMI, j'ai cliqué sur AMI. D'accord, ici, il y avait AMI qui était un client. Je suis dans le tableau des ressources, ça je ne voulais pas montrer avant. AMI, d'accord, modifier les horaires. Pour le calendrier AMI, je vais venir, je vais lui dire, il va être en vacances, ici, vacances AMI, je vais écrire. De telle date à telle date. OK. Donc, quand je vais utiliser Amin, il va me dire, attention, faites la partie de le mois, la date juillet, il ne sera pas opérationnel. Alors, maintenant, je reviens ici. Je vais rentrer. Alors, ah oui, donc je vous ai dit, si vous êtes en entreprise, vous allez rentrer les ressources avec les coûts d'Yelhom. Albanais, c'est le taux horaire. Voilà. Non, mais non, on va laisser les règles. Bon, c'est pas grave. Topographe, alors on a les milliers. Donc là, j'ai rentré les taux standards. Donc maintenant, j'ai rentré les taux HADO. Donc maintenant, ce qui va se passer, on va aller dans affichage. Et je vous ai dit, on a ici l'onglet affichage, ici les tables. Et là, on a toute une liste de tables. Alors depuis le début, on a bossé que sur la table des entrées. Et la table des coûts. Quand je clique sur la table des coûts, donc là, vous avez le coût de la ressource, donc la ressource générique. D'accord? Amine, regardez, je ne l'ai pas rentré. D'abord, je vais venir, je vais rentrer Amine quelque part. D'accord? Je vais revenir ici. Ah ouais, Amine, il va me coûter 540 dirhams pour la tâche. Par contre, tous les manœuvres vont coûter 6480 dirhams. Donc, plus j'utiliserai Amine dans des tâches, plus le chiffre va augmenter. Donc là, j'ai la table des coûts dans le tableau des ressources. Ici. Voilà. Ensuite, si je vais dans le diagramme de Gantt, je vais demander la table des coûts. Il va me sortir ici. Voilà, les coûts fixes, le coût total, d'accord. Après, je vais regarder le planning de référence, on met là, masquer la colonne, d'accord, je ne veux plus la voir, elle dit masquer, voilà. Elles existent toujours, mais elles sont masquées. Donc, je vais venir ici, et je vais dire,
Alors, les coûts fixes, je vous ai dit que c'était le coût de la tâche, en dehors des coûts des ressources. Le coût fixe de la tâche, je vous ai parlé d'une dalle, le prix de la dalle en béton, avec tous les matériaux qui rentrent dedans, d'accord? Voilà, ouais, lundi, le coût de la ressource. Les ressources qui vont travailler dessus. Eh bien, là, enlever mobilier. En fait, enlever mobilier, c'est juste les ouvriers qui vont venir, je vais les payer à l'heure ou à la journée. D'accord? La pose du carrelage, et qu'on a dit le carrelage, le prix du carrelage, la colle et tout, et la main-d'œuvre. Donc, ça, c'est les coûts fixes. Ça, le coût total, c'est le coût de la tâche, le coût fixe, plus la ressource. Alors, il y a deux façons de rentrer à des coûts fixes. Vous pouvez venir pour chaque tâche récapitulative et rentrer le montant. On va se dire, voilà, à la phase 1, enlever le mobilier, enlever le sanitaire, décaper carrelage, retirer la moquette. Et sur Koulo, c'est des travaux, en forfait, rédiger une équipe de manœuvres, rédiger le mobilier, le sanitaire, sur Koulo, on a de la tâche cool là, 5000 dirhams. Voilà, 5000 dirhams. Après, d'accord. Alors, bon, 5000 dirhams, normalement, on va comme d'habitude, normalement, on va faire 1080. Mais d'abord, c'est pas grave. On n'a pas le temps de faire de raisonnement. Ou bien c'est un prix forfaitaire, ou là c'est un prix, pose du carrelage, je peux venir à la phase 2, dire qu'elle coûte 15 000 dirhams. Là, 30 000 dirhams, d'accord. Uniquement, à de la main-d'œuvre. Comme je peux venir dire ici, la phase travaux premier étage, je vais décomposer. Naya, je vais venir à chaque fois et rentrer. Enlever le mobilier, c'est la main-d'œuvre. Mais ici, c'est peut-être le prix du camion qui va venir sur lequel on va déposer l'ancien mobilier, l'envoyer dans un débarras ou le vendre, ou enlever sanitaire, tout ça. Je peux lui donner un prix, je peux dire 500, 500, 500 et 500. D'accord, donc ça c'est le coût. Donc, vous avez vu, je peux le rentrer ou ici pour la tâche récapitulative ou là ici dans les tâches subordonnées. Donc là, où c'est que j'ai rentré des coûts? Alors, 5 000, 30 000, 20 000, je fais n'importe quoi juste pour vous montrer phase 1 ici. Alors là, j'ai rentré ici les montants, je vais rentrer phase 2, 30 000. Là, 15 000. Voilà. Donc là, on va rentrer les coûts. Le coût total, c'est ça. 127 140 dirhams, c'est-à-dire les ressources plus le coût de la tâche. Le réel, pour l'instant, le chantier est toujours à 0%. Il n'y a pas d'avancement, donc c'est juste à 0. Le restant, il me reste encore à des montants à débourser. Alors, ici, la proportion. Je vous ai dit, est-ce que ici, à de la tâche, elle dit. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a deux proportions. Il y a les proportions pour les ressources et les proportions pour les tâches. Là, on est dans les tâches. Est-ce que à de la tâche, je vais la payer proportionnellement? Ou là, au début, ou là, à la fin? Donc, c'est à voir, ça dépend de voir. Donc, ici, voilà. Donc, on a un des coûts fixes. Voilà, j'ai rentré tout ça. Je reviens ici. On a un dit dans la table des coûts. Il y a de la table des coûts, non, les entrées. Et il y a une déproportion à obtenir. Je choisis comment je veux rentrer. Donc, une fois que j'ai fait ça, alors vous avez vu, à chaque fois, je dois me déplacer, faire un passé de coûts à entrée et tout. Donc, je vais venir ici et je vais dire, pour plus de facilité, du côté pratique, même si il y a la table des entrées, et je vais rajouter les colonnes qui m'intéressent. Donc, je vais faire ça et je fais ajouter la colonne des coûts fixes. D'ailleurs, après, je clique ici, coût, la colonne des coûts. La coût, il y a coût total et coût, c'est la même chose. Ici, coût réel. Et là, coût restant. Voilà. Très bien. D'accord. Donc là, pour l'instant, je suis à 0%. Donc maintenant,
j'ai fait mon planning, j'ai mon budget, et donc je vais commencer le suivi de projet, mon suivi de projet. Mon chantier va commencer. Alors, déjà la semaine dernière, je vous avais montré pour le suivi, le planning de référence, et tout ça, on va le revoir maintenant. Donc là, j'ai rentré, tout mon planning est fait, ça c'est le planning initial, ou le planning de référence via le projet qui n'a pas encore commencé. Donc je vais venir ici, je vais aller dans projet, dans cette partie-là, où j'ai ici, définir le planning de référence. D'accord ? Donc définir le planning de référence. Si vous voulez, c'est comme si j'allais créer une calque, une copie de mon planning. Au lieu d'avoir deux fichiers, d'ouvrir un fichier, à chaque fois que je fais une modification, je crée un nouveau fichier. Vous venez ici, je clique, définir le planning de référence. Je clique ici. Et donc, je peux jusqu'à 10 plannings différents, enregistrer 10 plannings, 10 planifications. Donc là, dès que je prends le premier, je vais dire OK. Très bien. Donc là, j'ai créé un planning de référence. Comment faire apparaître un planning de référence? Donc je viens ici. Voilà. Je vais faire un zoom sur mon planning. Et je vais dire, je vais dans affichage. Alors, je vais dire, pardon, dans format, et je clique sur planning de référence. Alors, regardez ce qui s'est passé ici. J'ai, au niveau de chaque tâche, j'ai une ligne supérieure, une ligne inférieure, une bande, si vous voulez. La bande grise, ici, c'est la bande du planning de référence. Le premier planning. On a dit la bande bleue. C'est celle du projet dans lequel je vais faire le suivi. Admettons, je vais venir ici, par exemple ici, projet. Je vais dire déplacer le projet. Au lieu qu'il commence le 2 mars, je vais dire il va commencer le 4. Je fais OK. Donc vous voyez ici, on voit bien, si vous voulez, la différence entre le planning de référence et le planning, le nouveau planning que j'ai déplacé. Alors, je reviens en arrière. J'annule tout ça. Alors, maintenant, on va venir à l'histoire de la date d'état. Donc ça, c'est définir le planning de référence. Admettons, je veux connaître les prévisions d'avancement du projet, une certaine date donnée, et même pour avoir une idée de mes budgets. Donc je viens ici sur date d'état, je clique, et je vais lui dire, donc mon projet commence le 2 mars, et je vais dire, je veux qu'il commence, je veux une image, elle avait le 16 mars, je vais en mettre où? Je fais ça, OK. Je fais mettre à jour le projet, OK. Et donc là, il me donne l'information. Donc 15 jours après, pratiquement, je serai à peine à 13% d'avancement de résultat du projet. À les tâches qui vont être finies à 100%. D'accord? Donc ça. Alors maintenant, si je veux comparer ça par rapport à mon planning de référence, je vais aller dans format, planning, je dis ça. Pardon, j'ai oublié. Donc voilà. 0%. 0. Je ne vous dérange pas. Alors, alors, pourquoi elles n'ont pas avancé? Regardez, attendez. Nom de la tâche. Il y a une chose importante que je vous ai pas, j'ai oublié de vous montrer. Il y a dit, attendez. Tâche. Quand vous allez vouloir rentrer l'avancement, très important, là, j'allais l'oublier, c'est que vous pouvez rentrer l'avancement de plusieurs façons. Vous venez ici. Là, vous avez une échelle. Si vous voulez, 25%, 50, 75 et 100. Bon, c'est pas très pratique pour le génie civil. Normalement, on a des données plus affinées. Vous allez vérifier avec les metteurs, l'entreprise ou le bureau d'études. Donc, vous allez venir, vous allez cliquer sur la tâche. Vous allez venir ici, général, et rentrer le pourcentage. Là-bas, ici, je sais pas. Bon, j'ai pris la première tâche, c'est pas très intelligent. On a mis le Hado, d'abord. Hado. 100%. On dit le Hadi.
Ah, c'était toute la phase. Alors, regardez ce que j'ai fait. Comme j'ai sélectionné même la phase 2, j'ai dit 100%, il a considéré que toute la tâche était faite. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Donc là, je viens, je dis de 100%. Redo 75, d'accord. Redo 25, d'accord. Donc, j'ai rentré ici. Je peux venir ici, cliquer et changer. Alors, ça va de 5 en 5. D'accord. Comme je peux rentrer à la main, je peux rentrer 33%, par exemple. Ou bien, vous pouvez venir ici et vous rentrez la valeur, 24. D'accord. Donc, là, quand vous faites votre suivi. Donc là, un AIA. Il est déjà 5h15. Donc, un AIA, si vous voulez enlever le plan, vous cliquez ici. Hop, ça fait disparaître. Quand c'est fini à 100%, vous avez une barre bleue qui s'affiche ici. Alors, pour revenir à la présentation, vous pouvez venir ici, par exemple. D'abord, vous voulez distinguer de la phase 1, de la phase 2, de la phase 3 au niveau. Donc, je viens ici. Je vais dans tâches. Et je vais venir ici, je vais dire Hatsukul Engin. D'accord. Si je veux que ces barres-là aussi deviennent jaunes, de la même façon, je vais aller dans format. Format, barre. Format de la barre. Et je viens ici. Et je dis jaune. D'accord. Ok. Amadou. Je veux qu'elle soit verte, par exemple. Je prends la couleur que je veux. Voilà. Format ici. Barre. À obtenir ici. Et je prends la couleur. Okay. Donc des fois, c'est pratique pour pouvoir visualiser avec des couleurs. Bon, ça c'est dans le cas où vous avez une imprimante couleur. Bien sûr, pour faire tout ça. Et on va mettre le. Voilà. Donc et ici également, alors si je fais ça, voilà, on dit les différentes tâches qui apparaissent, la phase 1, la phase 2, etc. Alors, il faut que j'aille rapidement maintenant. Donc ça, intimement, vous avez fait le suivi. D'accord. Au fur et à mesure, vous avez fait un suivi. Maintenant, donc n'oubliez pas que le planning, ou bien vous l'imprimez, vous l'affichez, ou bien vous le diffusez, vous l'utilisez, vous le gardez en mémoire et vous le réutilisez après. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir? Qu'est-ce qu'on peut aussi afficher comme information sur la partie tableur le diagramme de Gantt? On va aller ici, dans affichage, et on va dire, vous avez deux options très importantes. Je veux surligner l'information et où je veux la filtrer. Alors, ce que je vais faire ici, pour enlever la couleur, comme ça, je vous montre qu'est-ce que ça fait. Il n'y a aucune couleur, voilà. Donc, je reviens dans affichage et je reviens dans surligner. Je vais lui dire, je veux que tu m'affiches les jalons. Donc là, tu veux que tu me surlignes les jalons. Donc là, il a surligné les tâches, les événements ou un jalon. D'accord. Je veux les tâches achevées. Parce qu'il est 100%. Ah oui, il l'a surligné. Les tâches actives. Bon, il va tout sélectionner si je mets active. Ce n'est pas pratique ça. Par contre, les tâches inachevées. Donc là, ce qu'il fait, il surligne. Mais il garde toutes les autres informations. Elles sont surlignées. D'abord, vous pouvez imprimer le tableur de la partie ID avec les informations en jaune. Comme vous pouvez dire ici, utilisant la ressource, par exemple, Amine, la tâche qui fait Amine, d'accord, c'est la seule. Donc ça, c'est pour surligner les informations. Tâche critique, en mode. D'accord. Donc vous voulez enlever le surlignage, vous venez ici, vous dites non surligné. Maintenant, on a les filtres. Le filtre, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever toutes les autres, toutes les informations dont on n'a pas besoin et garder juste celles qu'on a veut qu'il filtre. Le Banax, c'est les jalons. Donc
Okawa, il m'a enlevé toutes les tâches, toutes les autres tâches, il a gardé que les jalons. Je vais dire ici, tâche achevée. Donc, il va garder que les tâches achevées. Maintenant, je fais un grand planning où je suis déjà à moitié du projet, je peux enlever toutes les tâches achevées et dire que je veux que les tâches inachevées. Comme ça, je ne m'encombre pas quand je veux vérifier, travailler sur mon planning, les autres informations, puisque les tâches sont réalisées. Après, j'ai, si je fais les tâches récapitulatives, les tâches récapitulatives, et bien sûr, la même chose sur utilisant la ressource, je vais dire ici, poseur de parquet, OK. Donc là, il me sort toutes les phases où j'ai le poseur de parquet. Donc, ils sont là. Oui, ici. Merci. Monsieur, je veux juste savoir mettre à jour le projet. Quand est-ce qu'on va mettre à jour le projet? Allez. Alors, mettre à jour le projet, on a rendez-vous de l'hiver derrière. OK, merci. Donc, mettre à jour le projet, c'est quand tu as rentré des nouvelles informations, d'accord? Alors, projet, mettre à jour le projet, normalement, une date d'état, où là, ici, regarde, il te dit, mettre à jour les informations d'avancement et replanifier le travail pour certaines ou toutes les tâches du projet. D'accord? Oui. On a dit mettre à jour. Ou si tu as créé une date d'état, ou là, si tu as fait des opérations, là, il y a des outils, des choses, d'accord? Tu lui dis, remettre à jour. Tout simplement. Alors, si on n'ajoute pas, monsieur, quelque chose de nouvel, ou bien d'état, c'est pas la peine de mettre à jour. Là, c'est pas la peine. Voilà. Alors, okay, merci beaucoup, monsieur. Là, ado, c'est pour, donc, j'ai vu avec vous, donc, les tout ce qui était filtre. Tâche ado, tâche utilisant les ressources. Après, on a les rapports, bien sûr, à la fin, ou même pendant le projet, vous pouvez faire des petits rapports, imprimer un format A4, un petit cahier avec les rapports ado. Donc, vous allez venir ici. Par exemple, je veux les ressources sur les coûts, un rapport sur les ressources. Je vais dire aperçu de mes ressources. Donc là, il est en train, c'est comme Excel, il va me sortir des petits tableaux, voilà, avec les différentes informations concernant les ressources. En mode. Le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures restantes, d'accord. Ensuite, je peux avoir les ressources surutilisées. Alors, je ne sais pas, pour l'instant, le projet, on n'avait pas. Mais admettons que si j'avais ici, les rapports, ressources surutilisées. Ah oui, il m'a sorti la ressource qui est surutilisée. C'est malheur, d'accord? Il est surutilisé. Donc, je reviens ici. Par exemple, les coûts. Je veux l'aperçu sur les coûts des ressources. Donc, vu l'ensemble des coûts des ressources. Là, il me sort obtenir le taux horaire d'Yelwang, le coût réel, le travail réel, etc. Rapport, coût... vu d'ensemble du coût de la tâche, il va me sortir. Alors, si j'ai cliqué sur une tâche, il va me sortir uniquement avec la tâche. Si j'ai cliqué sur toutes les tâches, il va me sortir un rapport sur toutes les tâches. Après, j'ai ici un tableau de bord, l'avancement. Donc, il y a l'avancement du projet, il en est où? D'accord? Et là, il y a un rapport vu d'ensemble du projet. Il me dit qu'il est achevé à 26%. D'accord. HNOKIN, rénovation des chambres d'un hôtel, enlever mobilier, etc. etc. Donc là, il suffit juste de cliquer ici, de chercher l'information que vous voulez. Vous pouvez même créer de nouveaux rapports à la PowerPoint, créer des nouveaux slides et tout. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'impression, le planning. Donc, je vous ai dit ici, vous allez dans imprimer. Alors, une page sur deux, oui, peut-être. Bon. Et derrière, regardez, propriété de l'imprimante, vous allez dans propriété de l'imprimante d'abord. Vous rentrez les propriétés de votre imprimante. Le format
format portrait ou le paysage, avancé, et là, il y a des formats A4. Donc, si je change le papier entre les formats A3, les OK. OK, donc il m'a choisi un plus grand papier. Donc là, il m'a tout intégré sur une seule feuille. D'accord. Ensuite, je peux venir ici. Je peux choisir les dates qu'il doit m'imprimer de mon planning. Il y en a du 2-3. Si je lui dis, je veux juste aller jusqu'au 28 mars. D'accord. Donc là, il m'a imprimé que la partie qui concerne le 2, le 28 mars. Là, si là, le projet finit entre. Voilà. Je reviens à ma phase de départ. Maintenant, autre chose. Vous cliquez ici, très important. C'est là où vous allez changer. Alors, on a la page. Si vous faites ajuster, déjà, elle est ajustée à une page. Mais si j'avais plusieurs pages, donc ici, vous avez le format de papier, outstanding, et ajuster. OK. Donc là, il a ajusté. Maintenant, ici, les marges. Donc, c'est cette partie-là, c'est cette partie-là. Vous pouvez les réduire pour gagner de la place. Et des fois, elles sont trop larges. Ensuite, vous avez l'entête, ce qui va être marqué ici. Hôtel California. Il y a des nerfs, c'était Hôtel California. D'accord. Alors, maintenant, je peux venir. Pied de page, c'est le numéro de page. Donc, il y en a page 1, page 2, etc. La légende, c'est cette partie-là. Est-ce que je vais l'imprimer ou la cacher? À mon avis, des fois, ça ne sert à rien d'imprimer parce que tous ceux à qui vous allez donner le planning, normalement, ils savent le lire. Ou là, parce que là, c'est juste, ils décrivent les couleurs pour chaque chose et tout. Bon, vous pouvez dire, pas de légende. OK. Donc, vous allez avoir un plus grand planning, plus de visibilité. Ensuite, vous avez ici affichage. Vous allez dire imprimer toutes les colonnes. Toutes les colonnes, elles affirment les coûts fixes, coûts réels, coûts restants. Et en général, elles sont cachées quelque part ici. Je vais dire imprimer toutes les colonnes. OK. Et là, bien sûr, je vais mettre les pages 1. Ah, page 1 sur 2. On a les mises en page. Page. Adapté. On a ajusté normalement. C'est amélioré. Bien sûr, là, il y a amélioré un petit bug. Page 1 à 2, imprimer uniquement à l'échelle du temps entre les dates. De 3 au début. Normalement, donc, quand je vais imprimer, OK, ils vont me donner le fichier header. Celui-là. Parce qu'il est déjà 5h30. Donc là, donc, ce qui est bien quand vous imprimez en format PDF, c'est que vous avez un fichier que vous pouvez envoyer aux gens qui n'ont pas MS Project sur leur machine ou un autre logiciel. Donc là, on a tout le planning qui apparaît ici avec la colonne des coûts. D'accord. Vous avez tous les remarques, les surutilisations, le WBS, etc., etc. Donc voilà pour la petite révision rapide. J'espère que vous sera utile. Normalement, Inch'Allah, si on a l'examen, le QCM en septembre, ça ne sera pas compliqué. Donc, ça sera des questions à choix multiples. Donc, avec les histoires des FD+, FD-, il y en aura au moins 2 ou 3. Il y aura en principe 20 questions, 1 point par question, et ce n'est pas compliqué. Donc, voilà. Et, donc, là, très bien, on est